Frères et sœurs, que la paix du Seigneur soit avec vous. Aujourd'hui, mardi de la 12e semaine du temps ordinaire, nous méditons sur l'évangile de Saint Matthieu, chapitre 5, les versets 43 à 48. Dans l'évangile d'aujourd'hui, Jésus dit, vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Et moi, je vous le dis, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent, afin que vous deveniez enfants de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et descendre la pluie sur les justes et les injustes. Ebelndoni kokoya meye su Christ mi apeto la gboblombo mi sewo blombo lo ho eye na lefu o keto kenyela male blom na mi be mi lo mi apo keto ye mi do bada de amesio le mi ayo metim lata bene mi azu mi afofo se la jipola vio. Fils et filles de Dieu, Jésus notre Seigneur pour aujourd'hui sera incompréhensible pour beaucoup d'entre nous. Dans ce qu'il dit, le précepte d'aimer le prochain n'admet aucune exception. Agbela oseto manyaba amasogbawa o malondo yesu bonyaya Dieu. Et si vous le gbagblombe, allons, mianovi, signe miabo futola, manye nous siye miachao. Fils et filles de Dieu, le Seigneur nous montre la voie royale qui vous protège et me protège, qui vous libère et me libère. Les lois du monde spirituel, comprenez bien, gouvernent ceux du monde physique. Si nanabonu barama veme agbomo. Abrodemon si tunaka mia hoseto. Mia nyebe bogbomo bosewade okbachena antila bosewo. L'amour, mes chers amis, est la première et l'une des trois vertus que le diable ne peut imiter. Quand vous aimez, vous opposez une barrière indestructible qui crie toujours comme le sang d'Abel en intercession vers le ciel. C'est pourquoi on sent de la douleur quand on est blessé intérieurement. Cette barrière est en train d'être ouverte. C'est pourquoi vous sentez de la douleur par vous-même. Mais quand vous commencez par haïr, vous souffrez plus. Majima denyati siya gomena miya domatora siya de bade lonlon. Nye nou banto si le atoma si satana. Mate wak bade bade wo. Eyataye miye lon amaya de. Mina ma opa ou se gande. Si nou na rido yuji po abe abe befwone. Eyataye miya kpobe ye o wonu de klemi si 20000 la mi na bava sam e goma ni be nu ko ma o po nono ma ma si le mi am na na ba mu barama te va mi ba gbe ma o la mi an to mi la gbo hum na to la ye mi a po be ye lo lo mo la je be na mi wa mi gbe na fu. Et vous haïrez votre ennemi, parole que Jésus nous fait comprendre aujourd'hui que ce n'est pas un commandement pour le juste, mais c'est un commandement et une faiblesse pour le faible. Remarquons toutefois que dans nul endroit de la loi, on ne trouve ces paroles. Vous haïrez votre ennemi. Ces paroles ont été citées comme faisant partie de la tradition des scribes qui ont cru pouvoir les ajouter parce que le Seigneur avait commandé aux enfants d'Israël de poursuivre leur ennemi. Dans le livre de Lévite, chapitre 26, et de détruire Amalek dans le livre des Exodes, chapitre 17. Roseto mia pobode le seamode te pobode mo le yong no di bode
walef mia futo asema agbala fiola we sueva era bena o popo mau des be israel viola wawu amalek bula apo jiji ma viu esi oni mau futo ye nene ke ma cha ye mau bula le bagbala mabedo futo si la ono bara le wantila wati uyo me pamba bula bode mia lefu mia be futo. La question qui se pose aujourd'hui, est-ce Jésus nous dit de d'aimer le mal? Mais nous voyons bien que Saint Paul lui-même nous dit qu'il y a des personnes, il y a des choses qui sont des objets de haine pour Dieu. Romains chapitre 1, 30. Quoi c'est donc? Bia bia, gbenye bode. Et n'y a-t-il si akéye sou le bouboma de le bouboma de mialon, onou barama. Va mia bobo ma nyama wo le bloma ma wo paulo kokro ento bloma de nuna ne ole ala modo ble wa bo nono ma bon go bode otros ma wo po foto nya pale roma to pa gbal me ta gbanto pou ke bla to ma. Comment donc pourrais-je haïr mon ennemi à l'exemple de Dieu pour leur péché, pour leur malfaisance, pour leur iniquité, et au même moment aimer mon ennemi à l'exemple de ce même Dieu qu'il fait lever sur lui le soleil chaque jour? La règle, c'est ainsi, mes chers amis, c'est de haïr dans votre ennemi ce qu'il y a de mal en lui, c'est-à-dire son péché, son mensonge, et au même moment d'aimer en lui la nature divine que Dieu a créée, qui est votre ami. C'est-à-dire, ce qui est bon, on l'aime. Ce qui est mauvais, nous le rejetons. Mais la personne elle-même ne doit pas être notre ennemi. Vous devez, frères et sœurs, comprendre ceci. Bien, bien, n'y be, abe, le ke mia, on dove fie, mia tel long, mia be photo, abe, yé sou le bo blom, le neo. Yé, mia ba tri. Ano bara, si ma ou blom, mia tri yo. Kase, aye nye si, et nous, si nous avons des photos, nous avons des photos. 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 Manu bara, prenya bara blon, son petit ou. Rajeté de Dieu, Jésus veut nous apprendre quelque chose de très important aujourd'hui. L'ennemi nous attaque par trois moyens, notez très bien. Le premier moyen pour vous attaquer, l'ennemi vous attaque par la haine. Le deuxième moyen, c'est par leur discours, c'est-à-dire les incantations maléfices. Le troisième moyen, c'est par les supplices, par les attaques physiques. Écoutez très bien, mes chers enfants, sans la haine, les incantations maléfiques ne peuvent être portées par les démons, parce que les démons vivent de la haine. Il faut la haine avant que les incantations magiques contre vous marchent. Comprenez-moi très bien, vous vous attirez des démons quand vous haïssez votre ennemi. Parce que les démons vivent de la haine. C'est pourquoi Jésus nous défend de haïr les ennemis, mais de haïr le péché. Je ne sais pas si vous avez un peu de temps.
e yata yesu kristo bode e me ba le fwa mwade kwe kwo e me le fwa mwa bobo mako mako wade mi lo yova mi ya ba fwo mwa a wo mi ya me ba wo e mwisi a mi ale wa mwa nyon e ma ima lo de jo fwa mi ya ma le fwa mwa ya wo e la bena ya yera vyo mwa nye mi nye keke le vyo mi nye mi mwa nye fefeti me vyo a nos ennemis opposés mes chers enfants trois supplices trois joies et trois victoires. La première, opposée à la haine. Le Seigneur nous dit, aimez vos ennemis, l'amour de Dieu. La deuxième, aux incantations magiques, vous opposez, mes chers amis, l'amour de Dieu, mais surtout, les bienfaits. Vous devez faire des actes de lumière. Et la troisième chose qui arrête le pouvoir de l'ennemi, qui vous fait violence physiquement, c'est la prière. Donc, il y a trois choses que vous ne devez jamais oublier. La première chose qui arrête la haine de vos ennemis, c'est l'amour de Dieu. La deuxième chose qui arrête les incantations magiques, mes chers enfants, c'est des actes de lumière. La troisième chose qui arrête la puissance démoniaque qui vous fait souffrir physiquement dans le monde, c'est la prière. Majima denyati si agomena mi ando meto de si adegbe. Mbe mi ase goma bada. Iye mi ago futo la jide. E si olefu mi a anu bantwa. Yesu Kristo mi a lono. Lono manana bada. Mi gbawa ba usan de ka. Avali ade. Yo danu bara ode da mi de. Odo mi bo ade. Anu si mi a sot tuya ti ade. Me wo jesi. Keke le ba jesi wo. Eno ton li ade. Yo wong baro wong. Et bien, ça semble y yamme, le mien ben tila, le mien pomme. Et nous, c'est bien tout à l'heure, et non, non. Et nous, 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 fils et filles de Dieu, j'aimerais vous faire comprendre. Jésus dit, priez pour ceux qui vous persécutent et vous calomnient. Ceci active la justice de Dieu. Quand il parle du soleil qui se lève sur le juste et le bon, il ne parle pas du soleil naturel, il parle du soleil qui est justice de Dieu. Car ce soleil éclaire tous nos actes sur terre et rend à chacun mauvais ou bon le dû de ce qu'il a semé. Elle est blombe de mia dobe d'arrêt mia me foutota. Elle a venu à Mao, c'est le dipola et nana, que les clans de foutu blé à menu dit. E nya si wo gblon ari. E goma nye enye si. Mwa le gblon. Keke li se vana. Le mdome o. E le gblon. Ma ou. Po fono tondro. E la bena keke li made. E nye ma ou po fono tondro. Se len de siya de pom la nye. Banji. Ye en de siya de foto la wala. E le fetou gene. Ame nye la wala. E le fetou gene. Fils et filles de Dieu, j'aimerais vous donner l'exemple de Abba Sicar. Saint Sicar, un jour, se vit présenter le gouverneur de la ville qui parlait toujours mal de lui et détruisait les plantations du monastère. On lui amena ce gouverneur malade qui mourait. Aussitôt qu'il vit le gouverneur, Saint Sicar courut se jeter par terre à ses pieds et lui dit, « Tu ne m'as pas offensé, je ne te hais pas. Mais regarde vers la croix que je te présente et déclare ton amour pour Jésus, car c'est lui que tu as offensé. » Et c'était que le mourant regarda vers la croix du Christ et dit, « Seigneur, je t'aime. » On vit des multitudes de démons, de paralysie, le quitter. Et il se leva et marcha. Quand c'est tort, « Moi, je m'en ai si car, qu'on peut pas gbentignagbe. » Et si, « Bédeka, au plo, du plo là, si mon lobe n'y a pas, si mon bara wom dentiva, du plama le poukoum. Et si au bala, un peu de djeklo le du plama bon kouma. Et au tout n'abade, au moins on nous barade bedentino, n'y a ni mal le fou. Va mais si l'on nous barade n'y a ni qui est sous Christ. Et y a ta quoi tis au gars si mon fion a tout n'abade, y est sous mon long ou. Et si du plama bon a tis au gala yon lobe y est sous mon long la. Boko makouma kou si on a été te peu de kara, au dole la mané, y au si djou. Fils et filles de Dieu, l'amour est un rempart. L'amour vous protège. L'amour vous renfort. L'amour vous purifie. Et surtout, écoutez très bien, l'amour
vous rend fils de Dieu, c'est-à-dire supérieur à la nature mortelle du péché. Soyez bénis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit de Dieu. Amen.